Salut à tous, ici Germain avec vous. Donc on se retrouve sur Belgique profonde. Et je vais vous présenter un petit mod. Donc ce petit mod et cette petit plateau qui est quand même relativement fait grand. C'est un mod donc qui sert à charger donc tout ce qui est Runeball. Pour le moment, j'ai pas encore essayé les bots, mais pour les Runeball déjà ça fonctionne. Donc avec deux essieux à l'arrière, hein, c'est un peu le, si je me trompe pas, le même plateau que qu'il y a dans le jeu de base du jeu. Voilà. Bah d'ailleurs on va regarder ça tout de suite. Normalement, ouais, c'est exactement le même en fait. Voilà. Donc c'est le DPW 180. Il n'y a pas la taille, dommage. Et que vous, voilà, donc moi je l'ai ici. Voilà, donc j'ai téléchargé en même temps, comme vous pouvez constater, ce mode là, ce mode ci et celui là en plus. Donc celui là j'ai essayé, mais j'y arrive pas à le faire trop fonctionner. Quand je remonte les barrières, tout part en vrille. Donc voilà, sur lui ci c'est un mode où à mon avis il faut plus être à deux pour l'utiliser. Car quand vous faites un chargement à seul, en fait, faut que quelqu'un en même temps verrouille la botte à fur et à mesure. Donc c'est un peu bizarre, quoi. Donc et celui-là, bah, c'est le plateau à botte. Et celui-là, round ball. Voilà. Donc ça, c'est une filmeuse, par contre, pour botte. Donc sinon, revenons à notre remorque. Donc c'est une bonne petite remorque. Donc, si je fais, je m'en rappelle plus déjà. Hop là. Non, c'était pas celui-là. Voilà. Donc, si vous appuyez sur la touche X, comme vous pouvez le constater, sur le tableau d'aide, ça change. Vous avez palette, bon, potato palette, skyroid ball, ball et rune ball. Voilà. Donc vous pouvez en mettre 30 maximum dessus. Donc il vous suffit juste tout simplement d'avancer. Ah bah non, ça va briller. C'était quoi déjà? Normalement c'est celui-là. Ah voilà, si c'est ça. Donc en fait donc il était désactivé. Et pour le simplement l'activer, vous appuyez sur la touche B. Donc là, si je rappuie sur la touche B, si je passe à côté, ça les prend pas. Voilà. Donc si je réactive sur le bouton B, vous voyez, tac, ça les prend. Donc, on va enlever le tableau d'aide. Donc ça les accroche à fur et à mesure, comme vous pouvez le constater. Tac. Je vais juste vous présenter juste à côté. Et ainsi de suite. C'est un peu comme l'autochargeur de Runeball. Sauf que bah là, vous en mettez quand même beaucoup plus. Hop là, voilà. Je savais pas si elle allait me prendre, mais elle a pris. Donc on va aller dans le dernier champ qui me reste à faire, qui est juste à côté de la ferme. Ah, trop large. Passe ric-rac.
Ah, ça passe pas. C'est pas passé. Allez, vas-y. Les deux là. Donc là on pouvait en mettre largement à l'aise sans problème encore sur une rangée hein, sans souci. Hop, lui passe à travers, c'est pas grave. Voilà, j'avais fait déjà une remorque. Vous voyez sur la remorque après ça remet comme. Ah bah ça me les reprend. Ah bah oui j'ai oublié de verrouiller. Ah. Bon bah comme ça, vous avez vu. Voilà. Donc là vous appuyez donc sur la touche haut. Et ça décharge tout simplement et ça reverrouille directement aussi la remorque. Vous voyez, si je rappuie sur B, tac, ça la recharge. Donc là je rappuie sur O, voilà, ça reverrouille directement. Donc là il va nous rester plus que donc du coup en dehors de la vidéo à ranger tout ceci directement. Est-ce que c'était juste une petite présentation de ce grand plateau d'ailleurs, de ce petit mode, qui est très fort sympathique. Bon, vous n'avez pas le plaisir du chargement, mais au moins, comment dire, vous avez au moins plus le plaisir de quand même au moins te transporter sur une vraie remorque comparé à l'auto-chargeur. J'ai pas une grande place pour mettre cette remorque quelque part. On va la foutre par là. Voilà. Donc je vais vous montrer en même temps les deux autres. Hop là, vu qu'elles sont côte à côte. Donc vous avez bien sûr un. Alors attendez, je vais essayer de me baisser. Voilà, vous avez les gyrophares. Hop, j'ai mis un petit coup de lampe torche. Donc toujours un hein, des remorques belges qui viennent de, si je me trompe pas, de chez Frabel. Donc vous avez le gyrophare qui est là, les clignotants qui fonctionnent sans souci. Donc ça c'est vraiment pour le plateau. C'est vraiment basique pour les bottes. Et celui-là, c'est vraiment aussi pour les rondes balles. Et les grilles de chaque côté, par contre, vous avez une touche qui vous sert directement à les replier directement aussi. Comme ça, quand vous roulez à vide, vous pouvez replier. Donc par contre, là, c'est un chargement, comme je vous ai expliqué juste avant tout à l'heure, manuel. Mais je pense quand même que c'est plus un chargement où il faut être à deux styles sur une partie multi, parce que sinon ça refait à penser un peu au plateau qu'il y avait dans le 2013. Vous avez tout qui vole quoi, tout ça glisse, ça c'est pas top quoi, c'est caca. Voilà, donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. C'était cette courte petite micro vidéo. Sinon par la suite je pense que je vais vous présenter ces deux petits modes là, bien sûr que vous pouvez toujours retrouver sur mon site, le lien vous le trouverez dans la description de la vidéo.
Qu'est-ce que je vous ai téléchargé de nouveau? Voiture. Si j'ai pris un partenaire, parce que le partenaire il est bien, parce que quand vous tombez en panne de carburant avec un tracteur, vous prenez le partenaire, vous allez au tracteur, et au moins c'est réglé. Vous pouvez refaire le plein et relancer le tracteur, sans souci. En objet à placer, qu'est-ce que j'ai pris? Non, j'ai toujours pas pris. Là, j'ai pris un petit Caterpillar là pour me taper un petit délire, mais c'est de la course d'aube. Celui-là, non, vous le connaissez déjà. Là, c'est pareil. Là-dedans, non. Voiture, balle. Non, ça, c'est pareil. Là-dedans, non plus. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Dans celui-ci, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah oui, il y a l'impact tracteur de chez Frabel. Donc, vous avez le T4 de New Zealand. Vous avez un Dutz en 6.61 qui est là. Vous avez un T6 qui est là. Vous avez le Puma, le Dutz, un autre Dutz version Black. Et vous avez le T8, et plus un CAS Magnum 380. Donc tout cela, comme vous pouvez le constater, hein, ce sont des moddings de chez Frabel. Donc ce sont des. Si j'ai bien compris sur leur forum, donc ils ne glissent absolument pas. Sinon, dedans, qu'est-ce que j'ai retéléchargé? J'ai rien téléchargé. D'autres pulvées non plus, remorque, il me semble que non, je n'ai rien téléchargé. C'est vraiment principalement des maps hein, que j'ai retéléchargé, donc vous pouvez aller voir sur le site, hein, le site a été mis à jour. Voilà, donc sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Pour les jeunes qui passent actuellement le bac, je vous fais un gros merde, en espérant, je croise les doigts pour vous, que vous l'ayez. Pour ceux qui ont déjà le bac et qui travaillent, bah travaillez bien. S'il y a des enfants, bah soignez-vous bien, travaillez bien à l'école, malgré que je sais très bien que vous allez être en vacances. Profitez bien de vos futures vacances et à bientôt. Ciao tout le monde.